Jamais internautes nous ont laissé me dire que dossier opération dans hôtel envahi hôtel là, il commencé à prendre l'autre ampleur, la prend l'autre dimension. Et m'bral dit nous qui ampleur que la prend et qui dimension que la prend. Et comment que ou ensemble de criminels en dedans vivent ensemble, yo même yo réagi après ça arrivé dans hôtel envahi. Et pas oublier que selon en pile information prouvé que hôtel envahi ça c'est ancien chef gang 400 Maozo yon c'est pour lui hôtel là bien que c'est Casales Blanco qui lui-même t'a dirigé hôtel là que Casales Blanco lui-même lui s'est évadé prison et nous tendez ensemble ça crivé que dans soirée jeudi hein que Casales Blanco monsieur parle encore et que plusieurs policiers tombés dans boucanté coup de zam avec et force de l'audio et policiers sa yo qui mouri dans espace envahi hôtel là nèg yo t'a défend t'a protégé Casales Blanco comprenez bien ça veut dire policiers yo yo connaît Casales Blanco son équipe pas droit tout ça qu'il apprend mais yo même qui puisque Casales Blanco et alias Gros Fanfan lycée Bossio lycée patron yo ben nèg yo a défend gaz Casales Blanco et yo tap vide balle avec policier Utah yo surtout t'es là et c'est dans boucan de coup de zam ça où je n'importe 5 nan nèg yo tombé. Alors même dit nèg yo policier Casales Blanco l'autre nèg qui était dans espace qui tombé mouri et sans compter l'autre qui blessé et gain qui arrêté et j'en te dis j'en connais déjà parmi yo gain de policiers et gain de journalistes qui arrêté que la police présenté jeune était vendredi et 16 décembre 2024 là pour regarder ça encore nous pour analyser de ça qui gain comme évolution notre dossier ça. Désir Venesse, plusieurs milliers moun en zdeno. Yo filé manchette yo debo. Yo campé en bon bois calé parce que yo dit que en zdeno dans département grand dans paysan pas gain droit gain bandi. Yo pas connait pour le départ et l'autre ville dans commune, non, mais commune en zdeno pardon. Le département grand dans paysan pas gain droit gain bandi, pas gain droit gain volo. Et depuis que bandi gen volo, c'est bois calé à bayo pour me répéter parole moun ansteno yo. Commissaire Muscané, même attaché qui gen moun mouri là-dedans yo et qui c'est bandi qui fait partie de team bandi 103 zombie, Muscané campé cercle ça yo et saisi cadavre yo. Li saisi moi yo. Ça veut dire Muscané montre que li pas vinn jouer, li pas vinn rien dedans avec bandi armé. Et désir dans la question de scandale corruption BNC, bagay la pour l'autre dimension. Dans la semaine qui a fini là, ensemble, parti politique, ou dis-moi ce que, ensemble secteur, qui voyait trois représentants, ça y est, en parlant de Smith Augustin, Emmanuel Vertilaire, Louis-Gérald Gilles, ils ont pris le sorti de notre public. Et pour demander avec trois conseillers, ça y est, retirer quoi dans le conseil là, parce que pour aller devant, répondre à une question qui était ULCC, et dossier là devant l'autorité judiciaire, yo, pour être capable de connaître, est-ce que vous impliquez dans le scandale 100 millions de goudes que vous demandez avec l'ancien président du conseil BNC, M. Raoul Pascal Pierre, lui. OK? Qui donc, ça, pour l'autre dimension. Ça prend l'autre ampleur dans le pays. Et je dis, en a petit désir, situation très compliquée, en plus qu'elle soit posée, sous question, mission commence à arriver avec officier Kenya, yo, nous pourrons regarder ça, yo, nous pourrons analyser yo, et nous pourrons questionner des Ivenes. Très bien, Blaise Peterson, après opération que la police a filmé, et dans zone Afurita, dans tabac, pour te questionner, en pile monde a pensé d'autres garder question ça, surtout avec journalistes, policiers qui arrivaient arrêter dans quatre dossiers là, et la police baille détail sur ensemble monde qui ont appréhendé, et au baille détail tout, et sur et matériel qui ont joint dans machine qui était dans l'espace là, et ça lui fait objet débat. Gendjev Gaulois, dans Canaran qui prononçait sous bagaille Banat Daniel là.
gagné Maître Morin, directeur général Radio Regard, parce que l'on t'a présenté Banat Daniel, il t'a présenté comme Radio Regard, eh bien, Morin lui réagit sous question. Nous allons regarder avec amis et internautes qui branchent tout partout, ensemble réaction qui vient sous question ça. Prison civile dans ville Semak, que nous songez, dans état d'urgence sécuritaire, gouvernement décrété à Blaise Peterson, 15 prisonniers mouris, 12 autres sont blessés, et 10 autres prisonniers rivés disparaître convent yo gen costume marron sou yo. Personne pas konn kote oyé. Quel te responsable APENA, quel te responsable la police pour jusqu'à présent pour ko kabay détail sou ensemble prisonniers sa yo ki sa ka la base évasion si la ki fait dans prison. Et faut que nous rappeler gagné des policiers qui blessés dans occasion tout Blaise Peterson. Gagné vice délégué arrondissement Saint-Macla Walter Montas qui fait quoi ensemble dommage matériel yo dans d'autres la police là dans archive là prisonnier détruit rapide quel était d'autres quel était archive pour qu'on y a soit chercher archive pour prisonnier dans prison Saint-Macla des personnes la difficile pour jeune ça parce que l'état depuis l'antique d'antan ces bouts de papier qui ont toujours conservé yo pas jamais arrangé yo pour yo informatiser ensemble espace important surtout côté yo gen pile papier côté cap calibette eh bien yo senti confortable parce que nous gon l'état qui pas propre ville Semak levé en attention dans juin vendredi eh bien modèle situation ça yo qui pratiquement provoqué c'est dans irresponsabilité autorité yo dans l'état parce que responsable DAP yo t'es déjà annoncé t'es déjà demandé autorité dans plus haut niveau yo pour augmenter effectif Autorité Bahamasio, dans ce qui concerne la question de sécurité pour le pays à Blaise Peterson, Autorité Bahamasio montre très optimiste sur la question de déploiement tout pio dans le pays d'Haïti dans le cadre de mission sécurité et multinationale en dedans pays d'Haïti. Directeur général, ministère Affaires étrangères Bahamas, nous voulons parler de Jeroussa Ali qui te fait une visite évaluation vendredi à dans pays d'Haïti dans Port-au-Prince dans base mission multinationale là et on était très optimiste pour question ça est-ce que kounyer nous cap dit question mission si là son jouet ou les débolier son jouet aller vinilier ou jusqu'à présent personne pour clair la donne bien situation en pile monde a questionné silence conseiller présidentiel yo devant scandale corruption qui gagne qui épinglé trois conseillers présidentiels qui pratiquement journée jodi an épinglé dans sa corruption nan exige yon directeur ou bien yon président conseil d'administration pou te bayo 100 millions de gouttes. Eh bien ensemble nous considérer silence quatre autres conseillers yo et comme non respect en faveur population haïtienne nan parce que un scandale pas ka passer qui gen pouwè avec yon institution des valeurs qui constitue des palais national pour jusqu'à présent yon monsieur dame qui rete qui pas épinglé dans question ça Blaise Peterson, il n'a pas jamais dit un mot. Quel était le président Edgar Leblanc-Fils, il fait silence et ça a créé une atmosphère et méfiance et frustration pour côté citoyen en Haïti qui expliquait action, qui pas expliqué action concrète pour côté responsable dans le conseil présidentiel de transition pour dire est-ce que nous arrivons à comprendre tout bon vrai que les conseillers impliqués dans ce qui est pour avec corruption en dedans conseil là. Est-ce que vous avez demandé Raoul Pascal l'argent vrai? Est-ce que vous-même vous endossé des massacres qui ont été faits là pour jusqu'à présent, lumière pour capter tout dossier et groupe personnalité éminent qui comme yo venant de dans pays là, vous dit nèg yo faut que vous ayez respecté accord 3 avril 2024 là et vous vraiment discuté sur ça qui vient pour avec scandale corruption, vous dit pas la pas carité comme ça, Blaise Peterson faut qu'au moins bon bagaille qui fait pas dans et que conseiller ça yo vraiment cassé nèg yo pratiquement plongé dans créatif, là vous tendez groupe personnalité éminent Kari Komyo parler sur question ça. Premier ministre docteur et Gary Koni lui entend pour faire préparation dans un compte important qu'il fait pour question réouverture des classes qui a venu là pendant divers départements appelé voyo dit l'école pas ka ouvrir là-dedans avec insécurité mais lui-même lui préparer sous subvention avec quantité l'argent que vous allez débloquer qui capable supporter et ensemble parents qui presque dans tout pays a la situation. Il fait quoi? C'est 2 millions d'élèves que vous avez gagné pour supporter, soit dans livre, avec matériel pour aller à l'école, et vous gardez 180 000 familles qui vous avez une subvention, urgence dans sa qui pour avec commencement, réouverture des classes à la situation. Désir, dans même dossier, question et insécurité, gagné autorité
autorité bahamienne yo qui au même té qui montre yo très optimiste avec yo très été confiant quant à pour déploiement prochain troupes en Haïti par exemple surtout donc on est Bahamas a voyé soldats qui va faire partie et mission stabilisation sécurité multinationale en Haïti hein et ben dit qui général ministère affaires étrangères Bahamas là Jehouza Ali lui-même qui était en visite évaluation vendredi qui était 16 d'août là en Haïti. Eh bien, les visiter base mission multinationale qui que Kenya a dirigé, c'est Kenya qui a dirigé et mission ça. Et monsieur Long, dit qui ça est général affaires étrangères pays que et pays Bahamas là, il aurait été croire que et maintenant moi qui a venir là yo, a gagné de soldats bahamiens qui a débarqué et qui a venir compléter et mais déjà 400 officiers kenyans yo qui déjà dans pays hein et qui prend encore augmenter pour permettre que yo mener des opérations garçon canson, yo mener des opérations musclées pour capable démanteler, déloger bandits armés, criminels armés en dedans et payant. Bien que chef mission en Haïti, qui c'est monsieur Godfrey Otonge, monsieur fait qu'on est que les que officiers soldats fait partie mission pour commencer mener de opération, li dit bandits vivant sans yo pas gain côté à mettre quoi parce que tellement pralement et mambio et tellement pral frappé au sérieux selon Godfrey Otonge. Ça veut dire que je dis, hein, est-ce que nous après tant jusqu'à ce que effectif 2500 et j'ai dictat doit faire partie mission hein, pour capable commencer de opération et garçon canson ou dis-moi est-ce que bah on est ça y attend si c'est maté y attend toujours qui ça fait qui veut que c'est tant et dit là on va commencer mener opération et dit jusqu'à présent que officier kenyan a d'accord que yo pour mener opération. Dit officier Kenyo d'accord que après déclaration Godfrey Otonge yo poko mener de opération sérieux sinon c'est pas une déclaration pareille que li t'a fait bien que yo souvent dit que nèg yo te dit matériel que yo ba yo pas répondre et matériel que yo gagne pas répondre yo pa gagne mat là yo pa gagne manger yo pa gagne ceci yo pa gagne cela et ça yo te dit est-ce que dans combien mois qui est que officier kenyan yo avec la police nationale d'Haïti pral commencer sa rele opération bien que nous pas besoin qu'on joue qu'on les condamne non d'ailleurs question sécurité ce bagala est là l'état pas qu'a exposer dans la rue l'état pas qu'a exposer dans la rue et pas aucun journaliste tout qui même les qui ta connaît qui et la police a pral mener des opérations nan fièvement dio qui ta pral camper sur les ondes pour ta dit tel et la police a mener opération ça ça jamais fait mais kounya nan combien de temps tout que la police vraiment genre que c'est vraiment commencer bon on dit la police un gros coup de filet nan hôtel envahi la police un gros coup de filet c'est vrai mais kounya en on gardé. Combien l'autre coup de filet la police a fait? C'est vrai dans Gressier, la police toujours présent. C'est vrai la police est présent dans Gressier, mais ça va empêcher que bandits présent dans Gressier. Mais dans bon côté de fief bandits et tout cas des problèmes sérieusement. Je dis hein, population a besoin, c'est dans zone ça yo, c'est dans bloc ça yo pour que la police, pour que autorité yo mené de opération. Yo mené de opération sérieux. OK, c'est dans zone ça yo pour yo mené opération sérieux. Mais pas oublier quand même, gè kèk kou la, gè kèk bèk m'ka dit comme ça que la police a fait et gè kèk bèk que commissaire Muscadet a fait. Je dis hein, moi c'est que peuple a besoin plus que ça et peuple attend plus que ça. Li besoin volonté. Volonté réelle, les besoins, les ressources humaines, ressources matérielles, ressources financières et on dit ressources en termes d'information pour que force de l'audio, les qui vont mener des opérations, les qui vont faire des attaques sérieuses pour que yo capable vraiment joindre vrai cibio qui eux même c'est de principal responsable de situation qui là désirvenait ça. Bon. L'important que officier kenyan yo prenne responsabilité parce que yo te sans doute évalué ça qui gagne en dedans pays ya. Yo te connaît qui ça que t'a venir régler. Bon paquet de pays qui fait bac devant mission le Canada, les États-Unis, mais c'est pas parce que le Canada avec les États-Unis yo pas capable. OK?
Mais on connaît qui ça qui a créé là. C'est pas sans raison qui fait les États-Unis pas gain policier, pas gain officier dans cadre mission ça qui gagne dans pays d'Haïti. C'est clair. Et en pile question à poser, est-ce que Nations Unies paraît pour supporter vraiment une mission c'est là qui gagne dans pays là. Parce que là regardez ça qui a passé là, l'invitation des amis internautes. Département de défense États-Unis te dit ou gagne 100 vols militaires qu'a fait en dedans pays là. Dans période que nous dit avion militaire a volé, avion militaire a descendu. Et vous tendez Edgar Leblanc fils qui déclarait pas gagne assez matériel pour monsieur Kenyan qui en dedans pays là capable opérer. OK? Qui ça ça dit? Qui ça comprend? L'entendez déclaration si là. Godfrey Otunge qui rencontré avec Cristobal dit pour qui c'est un représentant OEA dans le pays d'Haïti. Li plaide en faveur matériel qui pour venir Blaise Peterson pour capable efficace. Côté li mandé faut gain hélicoptère pour cap pénétrer ensemble base bandio qui cap ba résultat sans doute en pile monde africain. Est-ce que niveau corruption qui gagne non mi temps conseil présidentiel là ou bien accusation yo li pral permettre des pays vin engager avec gouvernement qui là parce que pas oublier c'est celle Haïti et corruption li principe gagne et champ libre parce que ensemble autorité qui a sorti l'autre côté yo y a essayé donc regarder y a fait pile prudence parce que pas veut prendre piège yo pas voulu à rentrer dans le rapport avec M. Damio, qui est dans le conseil présidentiel de transition, nous avons cité dans toute Voxal dans le pays d'Haïti, premier ministre Guy Koni, pour jusqu'à présent, qui pour Kokle, qui a fait ou l'Emdebo, n'a fait installation directeur général. Pendant la principale mission, yo, c'est organiser élection. Avant élection, vous avez une question sécuritaire et organiser référendum constitutionnel qui permet au moins. Qui a dit que non ça qui a été gagné comme feuille de route non accord politique 3 avril 2024 là ou t'a respecté. Est-ce que nous M. Damien sous point pour respecter bagaille comme ça? Au contraire, nous cap constater c'est un véritable temps passé que M. Damien a fait pour cap permettre les arriver dans fond pour yo vinn di Blaise Peterson, zami internaute, peuple haïtien, bagaille paraît difficile pour yo pas ka respecter délai que accord a été fixé pour te faire élection dans le pays. C'est ça que monsieur a arrangé ou puis a fait là. Et déjà, pas qu'on essaye pas, c'est pas erreur, premier ministre, docteur Guy Koni, déjà dit, dit qu'il paraît impossible pour respecter sa accord politique dans le pays. Et moi-même avec Blaise Peterson, c'est des bagages qu'on a prédit, c'est des bagages qu'on a prévoit, parce que nous t'es imaginé que ça a privé. Pour quantité de temps, monsieur Damsa a déjà fait perdre. Depuis, 4 premiers mois, ça y est. C'est 4 premiers mois qui perdu. Ou pas vraiment, ouais, rien qui planifie vrai. Si vous imaginez octobre cap vine là, cap gal gagné, duel entre M. Damio. OK? Parce que vous parlez de présidence tout note, votre conseil présidentiel transition. Et bon jouet cap planifié là pour permettre c'est Edgar Leblanc fils qui kembe tête conseil là, ou jusqu'à ce que transition fini. Et c'est là qu'elle a tout crasé. Et conseil là, ça s'est crasé déjà. Depuis nos questions scandale corruption, ok? Et ensemble avancer KPC dont on fait là, chercher intérêt pour groupe qui te voye dans le conseil présidentiel transition côté M. Damio, mais groupe personnalité mis dans le carré comme yo, mandé démission pour M. retire koyo pour la justice poursuivre yo, ok? Sous question corruption qui plane sous yo, eh bien pour M. quitter, n'est-ce pas demandé gros l'argent, mais c'est corruption qui n'est pas plongé. Est-ce que les ont rentré dans le conseil là, ils ont payé pour ils ont rentré. Mais non, bah quoi qu'ils ont payé, mais kounya ils ont dit c'est payé sorti les frères. Ils ont pas qu'à rentrer, ils ont pas qu'à dans l'état miel et puis voient demander pour ils sortir pour ils quitter. C'est payé sorti les, sous pas payé ou pas sorti. Et automatiquement trois mouns a sorti dans le conseil là, des personnes, son conseil qui sont c'est caduc, son conseil qui sont c'est écrasé. Parce que sous besoin faire vote ou pas besoin de majorité, ok? Mm-hmm. Parce que ils ont tous c'est 5 sur 7. Et en pile dans les yo. Monsieur dame que ouais qui était sous silence l'autre 6 moun qui était sous silence qui pas dit rien sous 9 conseillers la situation c'est parce que y a géré ça qui n'est pour avec pouvoir que gagne yo connaît si yo tranché si yo t'a dit la justice prend responsabilité dans la question et eh bien yo connaît y a pratiquement crasé conseil là y a joué mi figue mi raisin et peuple haïtien comprend très bien
ti jouet kap jwe la, et yo di ke yo pa pran la dan, se pou sa wapwe divers organizasyon, divers asosyasyon, divers akte, on de dan peyi a, deja leve voix et pran position pou mande, et pou demisyon, et trois conseillers si la yo, ki gen yo nan skandal. Et wapwe, yo tout an di sa, mwen tout an de gen moun ap di, vole pa jan moun, se fami vole ki toujou moun. Wapwe, neg yo avek souri, sou visage, malgré qu'aucune chef accusation qui a pesé sous de yo. Malgré étranger a questionné question. Malgré étranger rentré dans pays pour venir garder question corruption que nèg yo accusé. Malheureusement, nèg yo refusé comprendre pour yo prendre disposition pour yo mettre au disponible pour la justice tande yo dans quatre dossiers corruption si la précipitation qui paraît extrêmement difficile et qui quand même bloqué question processus tout engagement qui gain rapport avec économie, qui gain rapport avec politique de grande envergure. Que tout l'autre pays t'a capturé avec Haïti qui a connaît une situation très difficile qui dont impasse qui difficile en pile avec question insécurité à baisse vitesse. Bagala clair désir si déjà conseil là il est déjà comme si il a créé scandale dans mitan. Mais qui confiance que mon va faire avec conseil là dans question élection? Un désir. Mm-hmm. Si il déjà créé corruption dans conseil là. Et qui on a conseillé qui c'est le général Gilles, dans qui est ce président tournant là, c'est le cap dernier président dans tête conseil là, c'est mm-hmm. lui-même qui pourrait comme si organiser l'élection. Comprenez bien ça me dit hein? Bien que y ait des partis dans le général Gilles qui a fait comprendre que son bataille politique parce que c'est le cap dernier président qui va organiser l'élection, mais m'bakwe c'est bon, c'est déjà une bataille politique pour ça. Mm-hmm. Comment faire comme si tout lui retourner c'est non Gilles et non Esprit Augustin et non Mounsa Capélicité? Elle dit et au papa? Et au papa ou dit mais c'est parce que eux même vraiment ça a dit de c'est vérité lié. Bon m'ba mieux placé pour me connaître est-ce que ça a dit c'est vérité ou pas. Et ça fait en pile acteur et même en dit de parti politique de dirigeant de parti politique qui te voyé ensemble de Mounsa comme représentant yo. Dans le conseil présidentiel, ils ont demandé pour écarter trois personnes. Ils ont demandé pour mettre sous côté et pour que les personnes, ensemble avec Raoul Pascal Pierre, lui, qui est président, alors ancien président et conseil BNC, pour qu'il fait une confrontation directe, pour qu'il tende de accusation okay, que Raoul Pascal Pierre lui pote sous dos. Et c'est devant la justice pour qu'il réponde à la question ça, pour qu'on ait. Est-ce que yo impliqué? Est-ce que yo t'ai demandé Raoul Pierre lui l'argent vrai ou dis-moi est-ce que Raoul Pierre lui a fait mentir sur yo? D'ailleurs, Raoul Pierre lui connaît que bien que même les bagain pays, même les que nous pas quoi faire la loi en Haïti, mais nous connaît clairement que Raoul Pierre lui connaît gen loi sur diffamation et gagner de bagain ou dit si ça dit pas vérité, la justice, la police capable agir contre. Je dis hein, est-ce que c'est nous-mêmes cap apprendre que soit Raoul Pierre lui ou dis-moi est-ce que ensemble de conseillers ça yo que un monde qui peut accusation sous de yo exactement mais ça cap tomber comme ça sous de yo je dis amle que ensemble de tout qui gagne yo ensemble de ça qui plane yo que concerné yo que acteur yo même y a répondre question devant instance concernée parce que gagne UCREF gagne ULCC gagne la Cour des comptes. C'est de instance de la justice, de instance qu'il a, qui pour capable tende, et non cas qui gagne de bagay qui dit que, eh ben, en termes de scandale, en termes de révélation, en termes de accusation, tout ça yo. Mais kounya, comment un ensemble de acteurs, un ensemble de dirigeants parti politique, yo même qui te signe, yo même qui te voye, de représentant yo, nan question conseil ça là, comment yo wè ça? Et qui ça a dit des Ivenes? Bon, c'est que, sous point ça, nous pouvons venir avec Onecte Kouklaïn Srenoir, qui fait partie collectif 4 janvier, et qui gagne représentant dans le conseil qui c'est Edgar Leblanc-Fils, ok? Edgar Leblanc-Fils est représentant conseil et collectif 4 janvier. Eh bien, nous pouvons regarder et attendre qui ça exactement, qui dit, bon côté Kouklaïn Srenoir, en bas pour tout, mais quand même, on partit. Dans une interview que tu avec Wendell Théodore, dans l'émission Le Point, sur Radio Télé Métropole, comment que yo même, yo ouais,
en dit comportement conseiller yo et comportement chef gouvernement qui c'est Gary Conille par rapport avec ça qui a passé dans pays là et ça que yo t'ai dit ça que yo t'ai dit yo t'ai prend comme engagement dans accord 3 avril là bien que jusqu'à présent accord 3 avril là pour que j'aime publier jusqu'à présent accord 3 avril là les beaucoup j'aime publier qui ça fait beaucoup j'aime publier c'est des questions qu'on a posé des Ivenes en on venir avec et quand est-ce que nous agent dit et puis n'a regardé avec de l'autre acteur en termes de réaction. C'est un pays qui fait face à beaucoup de problèmes. Un gouvernement qui arrive dans les conditions que nous connaissons ne peut pas tout changer en 100 jours. Cependant, il peut donner le ton. Maintenant, dans ce bilan, ce que je peux remarquer, ce qui est le plus frappant, c'est les questions de corruption. C'est aussi ce que je pourrais appeler un tâtonnement que le pays constate, que les autorités tâtonnent. Les autorités hésitent. Il y a des mesures à prendre, mais on entend beaucoup de discours, beaucoup de show médiatique, hein, une sorte de politique spectacle, mais on ne voit pas suffisamment d'action, effectivement. Mais je crois qu'il est encore tôt, même si nous ne tirons pas de bilan véritablement, mais il y a beaucoup de choses à faire et on peut en parler un peu plus tard, si vous voulez. Et vous n'êtes pas de cette catégorie qui déjà appelle à la démission de l'équipe gouvernementale. Vous pensez qu'ils ont encore droit à une deuxième chance, ou bien quand même à une chance pour continuer le travail initié, si le travail a été initié, Clarence Renoir? Non, je pense que nous devons en tout rechercher une certaine stabilité. Évidemment, si on peut faire des considérations concernant la composition du Conseil présidentiel, notamment avec le scandale des affaires que vous connaissez, les scandales économiques, on en reviendra aussi. Mais on ne peut pas changer comme ça. Après 3 mois, changer un gouvernement, mettre un autre, changer de formule. Je crois que cette formule a été une formule audacieuse. Il fallait tenter quelque chose. Et moi, je referais le même choix. Parce que je crois qu'il faut apprendre aux Haïtiens à inculquer cette culture politique aux Haïtiens, la culture politique qui veut que nous soyons capables de travailler ensemble. Ça, c'est un bagage que nous n'avons jamais fait, travailler ensemble. Donc, je crois que c'était une formule risqué, avec ces risques, on en voit aujourd'hui les conséquences, il faut ne pas la tête nous mentir, mais ça vaut le coup de chercher à mettre les Haïtiens ensemble. Why did no one tell Delaware drivers about... Voilà, Clarence Renoir a essayé de montrer que c'était un processus qui était vraiment risqué, désir. Il était risqué parce que, sous qui base, parce que chercher à mettre 9 monde de 9 secteurs différents, et qui va gagner même intérêt et qui va sortir dans de même chapelle politique et bah là vraiment compliqué des événements. Madame avancer. Bon, l'étape difficile et moi rejoins Clarence en ce sens son que nous toujours gain position ça depuis là que il a parlé des conseils présidentiels là. Imaginez un président ou bien noter tout après exemple ça, nous dit yon cartel municipal qui a une élection. Tous les trois, moun yo fait campagne ensemble. Pour résultat élection fin bay, moun yo mette comme maire titulaire ou bien comme maire principal là, li ramasse cartel li pou kontri, li presque pas bay pièce droit avec l'autre membre, l'autre maire assesseur. Je dis ou pas ka dim, ou vini avec une question au conseil présidentiel, qui gen 9 membres là-dedans, 7 là-dedans ou gen droit de vote, et puis gen 2 pas gen droit de vote. Ouais, depuis là, li gen yon discrimination, et nan mitam, malheureusement, et des membres qui pas gain droit de vote yo aurait été comme c'est observer ou mettre à observer c'est garder ou mettre à garder et jodi a monsieur dame ça yo qui pratiquement dans observation les personnes yo pas fait travail yo. Parce que si en pile fois que vous tendez ou pratiquement dans l'observation ou tendez la rue clamer public accuser ensemble membre conseil là dans ça qui gain pour avec corruption nous pas dit rien. Ça veut dire que chaque monde a arrangé, il a fait ce qu'il a fait pas. Oui, c'était une initiative risquée. Qui a continué à risquer pour jusqu'à présent, pas des gens qui ont récolté les bagages de cette personne pour ne pas avoir de problème, pour résoudre le problème qui est dans le pays. Pas des gens qui ont pris une situation, ça, de retourner à la normale. Ou pas avec ça qu'a fait là?
ensemble des structures ou bien partis politiques qui gagnent dans le conseil présidentiel là, c'est divisé à diviser ou pas ouais et organisation politique ou bien parti politique petite des salines, il presque écrasé en miettes monso. C'est militants qui a levé contre militants et autant de Maurice Jean-Charles t'a déjà fait acheter costume, penser que t'as pas le magistrat à Port-au-Prince et puis sont autant de ya, ou jusqu'à présent il y a pris le Maurice Jean-Charles dans le téléphone, Maurice va prendre le téléphone pasteur. Pasteur a mauvais en pile, pasteur a fâché, parce qu'elles sont des gringoles, ils sont qui sont toujours dans le mouvement. Mais je dis, hein, Moïse, blié, ce n'est pas le ministère de l'Intérieur, la collectivité territoriale qu'il gagne, c'est le ministère agricole qu'il gagne. Il était capable de mettre pasteur qu'il prend le métal, non bac, qui c'est le bureau agricole communal, ou bien il prend le métal non direction, non direction départementale qui est liée avec le ministère de l'Agriculture. Ok? Négaté de tout comprendre, que M. Bagné, un de ces qu'il t'a fait, ou pas Père Amos, qui ça n'est que fait Père Amos? Parce que Père Amos a défendu en question d'intégrité. Quand il est parti, n'est que ça pas ta Père Amos. Quand il dit Père Amos, pas de droit dans la ville faire conférence, qui a lâché le micro devant bouche Père Amos. Il dit pas de droit venir faire conférence dans la petite Dessaline. Parce que Père Amos qui veut comprendre lui-même, il t'a doué à protéger intégrité comme monde moral, parce que lui, ouais, monsieur Damio, a mêlé nos paquets de bagailles, et quand il entendait que le ministère de l'Agriculture vend pour combien de millions, Moïse Gant a acheté gros caille. Il dit la protéger. Va penser d'autres garder et le rejoindre. Monsieur qui n'a et opposition plurielle qui n'a la RIA, lui chita avec eux. Li gade avec yo. Sa cause que plus ma compte sous donnèg qui l'état miel kap koule pour yo. Dans quatre gouvernements qui gen la. Et nous devons comprendre. Bataille qui éclate déjà. Qui déclare un conseiller présidentiel yo. A ka docteur Gary Koni. Te tout din pagé. Pièce côté que bagay sa privé. Yo tout que conseiller yo prenant faux blanc. Son blanc bon cathédral. Qui rele monsieur yo. Qui di yo vote à l'unanimité. Gary Koni. Ben, n'est-ce que fait votre là? Ou vin senti, après là, ou vin wè ke ou prenne dans faux blanc, même Jean, moi Jean Charles de prenne dans faux blanc, le boule de vin dans conseil là. Là, ou vin rive comprenne ça, li déjà trop tard. Parce que Gary Koni, comme on nèg, et en plus le monde kap gade qui humble, qui sage, de la parle, la vie sous ça. Et toute patience que moun ouè moun yo gen la belle personne, c'est vis-à-vis avec question sagesse, Gary Koni gagne, Jean la pote message yo, moun yo gont et onti espoir. Blesse mon garantie vous. Yo pas prend trop de temps pour abser à péter, pour l'obé péter dans le pays, jusqu'à ce que moun yo jwenn sécurité, jusqu'à ce que moun yo jwenn et possibilité pour travailler pour sortir dans le chômage qui vous trouvez là, blesse façon. Gagne un autre acteur qui c'est Magali Komodeni, qui c'est ancien ministre qui sert communication Simba Tropem, et qui c'est un membre responsable équipe Aqua Montana, et qui est représentant dans le conseil qui c'est Fritz Alphonse Jean. Magali Komodeni, tous les mêmes qui étaient invités dans l'émission Le Point avec Rondel Théodore, et sous Radio Télé Métropole. Li même tout, li di mo pal, et qui ça le dit? Qui ça le dit d'abord de conseil là? Ben, pas oublier, m'kwe que, gen jeto en akasis, li reproche à Aqua Montana, parce que c'est Aqua Montana qui devine avec ba 7 têtes ça sous papier, et yon même yon te adhéré avec équipe Aqua Montana. Donc, je dis, hein, si ça te va bien, t'as bien félicitations pour Aqua Montana, mais comme ça va aller mal, je dis à gen de reproche qu'a fait sur équipe Aqua Montana. Eh bien, entendez exactement qui ça m'a galé, comment Denis lui-même n'était dit, et on soit ensemble question ça qu'a passé là, yo, et nous-mêmes n'a fait réaction par nos désirs. Très bien. Vrai. C'est plus que vrai. Et nous revendiquer, nous assumer que formule d'une présidence collégiale, nous faire proposition, hein, en décembre 2021. Décembre 2021. Absolument. Mais pour qui ça? Pour qui ça te fait? Parce que nous t'es déjà, ouais, crise pouvoir, crise tendance autocratique et mounio sous pouvoir, nous t'es, ouais, nécessité d'un consensus entre différentes forces vives de la nation. Nous avons une nécessité pour plusieurs entités, plusieurs représentants de la société civile, viennent prendre engagement dans l'État. Et dans une période, côté nous sommes passés vraiment et des difficultés énormes avec le pouvoir qui est en place, il était important que nous ne pas concentrer le pouvoir. Non, mais il y a un monde
qui pas passé dans l'élection, etc., que c'était vraiment le produit d'un consensus. Et donc, oui, Montana fait proposition, hein, comme on dit en décembre 2021, et nous te font proposition d'un collège présidentiel de 5 membres et qui te gon forte prédominance de la société civile là-dedans. Te gen tout mécanisme de fonctionnement qui était disponible, qui était paré. Et là, en janvier 2022, nous fait une élection au second degré en dans Montana. Nous avons élu un monde qui peut participer dans le collège présidentiel. Là. Nous avons déjà eu une proposition de collège présidentiel là avant même les élections. En la personne de Fritz Alphonse. En la personne de Fritz Alphonse. Ok. Est-ce que nous satisfait? Bien sûr que non. Bien sûr que non, que nous pas satisfait de gouvernance là, de gens là fonctionner, de résultat, de absence de préoccupation pour souffrance nous. Mais c'est pas formule là qui problème. C'est ça me va dire, est-ce que problème c'est pas formule là qui problème. Est-ce que cette nous formule satisf... bien sûr, formule ça. C'est pas formule accord Montana. D'ailleurs, ou sorti dans 5 ou al nan 9, ce qui rend bien sûr cohésion et cohérence là plus difficile à 9. Donc c'est le dit trop c'est difficile, même. Ça veut dire le tape difficile pas... quand même. Exactement. Mm-hmm. L'initialement utilisé en préfixe. Mm-hmm. C'est pas seulement c'est pas en question de quantité. C'est pas en question de quantité. If you have a 7 bon, il y a une question de quantité, mais une question de qui s'acculie, madame. Et... bon, ça veut dire qualité, c'est pas quantité, c'est qualité. Oui, la formule, là, formule n'était gagnée, hein, c'est ça m'a dit que je dis, hein, mon n'y a pas de pays à régler. Peut-être que quelqu'un doit montrer qu'il y a fait un pays, peut-être que, ok, il y a fait ci, il y a fait ça, mais au fond, il n'y a pas saldé. Mais c'est pas seulement. Il n'y a pas de chance avec pays. Exactement. Pays est construit ça, avec moun qui est capable, moun qui connaît. Et pas avec bêtises, radote, vole, déchets, pillés, dilapidateurs. Non, on ne va pas prendre. On ne va pas hypothéquer n'importe environ 12 millions de personnes dans le pays, non? 9 grands personnes qui sont là comme conseiller présidentiel, mettez avec 14 ministres ou bien 15, 18 ministres, je ne sais pas. Et mettez avec chaîne commande de la police, non? Et la vie environ 12 millions haïtiens, non, mais oui? Oui, c'est la vie environ 12 millions haïtiens qui vivent en Haïti, non, mais oui? Et ça compte 1 million l'autre qui vivent à l'étranger, dans divers pays à l'étranger. Qui n'en met yo? Et où est au jour le jour? Il y a bêtisé et il y a enterré espoir si la qui vivent en Haïti yo, et il y a découragé ça qui à l'étranger pour pas entrer en Haïti. Fon di bagay la clé. C'est pas seulement, c'est pas en question de quantité. C'est pas en question de quantité. C'est gens les constituer. Comment acteurs yo choisi pour aller participer là-dedans, et c'est représentant, c'est moun qui l'a eu. Mais ce n'est pas la formule. Ce n'est pas la formule. Et m'pral bourre, là, même je veux dire, dans l'état catastrophique, gouvernement ça a dirigé le pays, formule l'en préserve, nous avons un paquet de bagages, et toi, où est-ce là? M'pral pour un exemple. Il y a des moun en dans conseil là, bien sûr, qui était une velléité pour le président, pour assurer la présidence transition pendant les 2 ans. C'est des gens qui mêlent là à tout scandale que a dénoncé dans le pays. Qui ça bagaille pas marché? Qui ça fait deal yo gen problème et puis il prend la rue? C'est parce que y a en pile, oui. Ou bien c'est pas parce que vous faites trop vite tout? Parce que y a en pile. Chaque monde gen ti réseau parle. Et donc, pour jouer un consensus pour y aller dans un seul réseau, vous venez retrouver yo, un conflit. Consensus, c'est un app cherché, mais quantité de monde qui l'a fait que vous n'avez pas jouer un monopole que vous avez besoin de jouer pour régler une série de bails qui ont foiré. En tout cas, il y a des gens qui sont étonnés le fait que le conseil en libre pour éclater. Dans le sens, dans la mesure où.
toujours gagné des problèmes, nous pas jamais capable de vivre entendre nous. Expérience Mériau, moi quoi autant dire, en plus mon compte servi de ça, de d'expérience Mériau, Mairie à 3, les cartels à 3, pour dire que ça va jamais fonctionner. Mais jusqu'à présent, on nous dit que, en fait, s'il faut rendre le crédit à Montana, on a dit que expérience collégiale là, l'Ikembe, dans le sens que pourquoi gagne gourmet entre conseillers. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Pourquoi gagne gourmet, gagne l'autre problème, mais pourquoi gagne gourmet et Dieu seul sait s'il va y en avoir. C'est pour ça que c'est pas formule là qui problème. Problème c'est nous-mêmes moun. Problème là c'est moun qui en dedans yo et c'est volonté yo, engagement yo pour venir servir pays. Maintenant comment ca résoudre un bagage comme ça? Et nous, les CARICOM, c'est CARICOM qui fait arbitrage, qui va formule ça. Depuis le fait là, dans la discussion, nous questionnons la viabilité de formule. Là. Mais nous faisons un bagaille. Nous faisons accord 3 avril là pour rendre le processus là viable. Mm-hmm. Et c'est accord 3 avril là qui vient by cadre de fonctionnement transition qui by grande ligne qui by mission qui by vision qui définit rôle chaque monde rôle chaque branche de l'exécutif et qui by principe qui pour diriger transition. Donc qui j'en pour résoudre bagaille ça bon grande solution. Mm-hmm. C'est rentrer dans le cadre accord 3 avril là. Mm-hmm. Rentrer dans le cadre accord 3 avril là, c'est pas seulement à le publier dans le moniteur, non? Mm-hmm. Parce c'est que lors pour un engagement, second minimum d'éthique, pas plus aussi, hein, ou à respecter. Or, ça nous remarquer, donc le fait que nous avons exigé publication, nous pas fait nous illusion non plus. Que ce n'est pas publication hein, qui peut assurer respect à quoi là. Mm-hmm. Mm-hmm. Mais il y a un bagage qui est certain. Nous venons là, des secteurs mandatés, le premier bagage qu'ils font, c'est un coup d'État qu'ils font à quoi là. Ils font un coup d'État contre l'accord du 3 avril, ils font un coup d'État contre les secteurs. Et coup d'État, ça, c'est pas seulement contre la lettre du 3 avril. Yo fait contre l'esprit, ça nous relé nom accord là. Nom transition. Qui c'est ça que tout le monde a véhiculé depuis durant 3 années ça aucune table bataille là qui c'est l'esprit de consensus. Et consensus là, si nous violer esprit ça, quelle que soit formule ou gain là, ou pas besoin aucune solution. Est-ce qu'on peut déjà sauver les meubles? Aïe. What is... Aïe, ça va passer là, ça va sa bombe là. Mais c'est plein, hein, frère? C'est plein sérieux là. Ah oui, bon, formule pas marcher. Formule pas marcher, ça veut pas que vous me rentrez conseiller, mais formule pas marcher. Vous sentez que vous avez déjà un blocage quelque part. Vous avez déjà des désirs pour la rendre vers vous. Il y a plus vite gourmet avec PM, non, ou les conseillers à conseiller, ou les gourmets. Donc, il y a préservé parce que en pile, le monde a déjà prévu ça. Ou pas besoin. Dès le commencement. Aucune solution. Est-ce qu'on peut déjà sauver les meubles? Et nous avons obligation. Nous avons obligation gourmet pour redresser ça qu'a fait là. C'est dans ce sens d'ailleurs qu'avec un autre secteur, le collectif 30 janvier, représenté par l'agronome Jean-André Victor, que Montana, si on lettre conjointe, a conseillé là pour faire yo ressaisir, inviter à ressaisir et mettre disponible pour discuter. Parce que c'est ça qu'on fait et c'est ça pays en besoin et c'est peut-être ça pays en pas fait assez pour nous discuter de modalités. Pour arriver non seulement avec les secteurs impliqués dans la transition,
mais avec d'autres secteurs de la société qui pas dans signé accord là, avec d'autres personnalités qui pas dans signé accord 3 avril là, pour nous ouais qui gens nous ca sauver transition, parce que côté nous là nous pas sur route rien. Madame Magali, comment donner pour qui ça n'ont pas de passer par représentant direct nous Fritz Alphonse Jean, et que nous sommes obligés d'écrire au conseil directement? Non, parce que c'est affaire pays n'a pas parlé. Oui, mais c'est votre n'a représentant. N'a pas parlé ou affaire pays n'a pas parlé, nous pas dans personnalité encore, nous pas dans individu encore. Nous pas un représentant pas nous qui c'est seul ça qui préoccupe. C'est transition qui préoccupe. Et comme c'est transition qui préoccupe, n'écrit à la personne qui fait office de coordonnateur du conseil, qui est le président du conseil de transition, M. Edgar Leblanc. Nous, l'accord Montana, pas au pouvoir. C'est l'accord du 3 avril qui est au pouvoir. Et l'accord Montana fait partie de l'accord du 3 avril. L'accord Montana goumé en pile pour nous arriver à l'accord 3 avril. Là. Et c'est l'accord ça qui s'est lié nous, relation nous, à pouvoir ça. Ça veut dire qui ça? En dehors de l'accord là, laissons l'autre projet politique qui a mené, et qui a mené de manière autonome, nous pas gain responsabilité face à cet autre projet que l'exécutif ça a mené là. Faut que nous clair sur ça. C'est dans le cas d'accord 3 avril là. Si accord 3 avril là, la respecter. Mécanisme que nous te prévoit pour mobiliser société là. Yo te mettre en œuvre. Et puis pendant y a implémenté accord là. Résultat accord là pas bon. N'a vinn devant nation hein. Nous tous qui te signé accord là, nous porter responsabilité hein, pour nous dire OK. Nous gan lettre font proposition qui pas approprié. Nous prend responsabilité à assumer que nous te font un projet qui pas bon. Mais là, ça qu'a fait là pas gain rien pour ouais avec accord 3 avril là. Et si n'a goumé pour que grand respect de accord là et que l'y publier dans le moniteur pour que nation en paril approprié de documents, c'est parce que justement, vous mettez là l'écart et que en tant que citoyen, comme nous pensons, c'est ça qui cadre là, c'est ça qui explique que vous côté vous n'avez pas passé dans l'élection, vous oubliez ça. Est-ce que selon même, transition sage, Jean annonçant, l'a dirigé tout droit vers un échec en raison de tout ce qu'on dit là, est-ce que c'est ça nous devons attendre non? Ou dit diriger vers un échec, oui. Ou bien il est déjà dans une situation? Non, parce que le bonheur toujours. Le bonheur toujours, mais attention. Le bonheur toujours, 100 jours. Le bonheur toujours. Le bonheur toujours, mais attention. Transition en grande durée courte, et il y avait des actions fortes qu'il fallait prendre immédiatement et qui étaient possibles. Mais nous ne pouvons pas le dire si. Nous ne pouvons pas le faire si. Nous ne sommes pas des prophètes de malheur. Nous voulons affirmatif. Nous dit et nous font appel aux forces vives de la société pour accompagner nous dans l'exigence ça de redressement de fonctionnement exécutif là. Remarquez bien dit exécutif là, exécutif bicéphale là, parce que le fait que CPA pas dans ligne accord 3 avril là, c'est lui-même qui mettait et premier ministre tout et premier ministre tout non fonctionnement pas dans ligne accord 3 avril là. Elle dit des autres tout à capitale lésien. Des autres tout à capitale qui n'a constaté. Tout le monde constaté c'est des autres total. Mais bien et c'est je vais être intelligent ça que je vais tout blaise. Ou après que monsieur Damio pas entendre publier accord 3 avril 2024 là pour permettre que grand public là gain connaissance de lui. Yo pas égal, il a fait ça. C'est juste coquin à jouer madame là qui a continué faire. Dernier parti de regarder la désir bien qu'on d'appeler trop, c'est parti côté que gagnent
et ambassadeur Edmond Bouchit qui parlait concernant l'émission, bah c'est Fanon Gardien qui passe là-dedans, une question de sécurité. Bon, Madame Bonham, je pense que c'est une observation de tout Haïtien qui a visé et tout le monde qui a vu que plus de 2 ans après la demande du gouvernement haïtien pour mobiliser une force multinationale et pour venir aider la police nationale à faire face à la situation de grand banditisme, ça, et même jusqu'à dire une situation de terrorisme. Parce que il y a des actions qu'on a posées, c'est des actions terroristes, et je dois qualifier comme telles. Et en dépit de toutes efforts à eux, et jusqu'à présent, on a regardé, tout le monde est en première phase de la mission qui arrivait, et il ne pourra jamais pas. Mais déjà, il y a un fonds disponible, déjà, il y a des équipements disponibles, tout à fait, déploiement rapide, et de octobre 2023 à nos jours, il est déjà là. Nous avons un environnement qui est beaucoup plus sécurisé. Mm-hmm. Moi, tout est. Vous m'êtes allé? Oui, et moi, je vais regarder ça là. Je vais regarder, par exemple, l'ouverture des classes qui est fixée au première semaine du mois d'octobre. Je vais demander est-ce que tout le monde va tourner l'école encore? Est-ce qu'on va perdre l'autre année? On va aller bâcler encore? Toutes sortes de questions qui m'ont dit, par exemple, en transition qu'il a, est-ce que nous avons offrir peut-être nos luxes pour nous perdre la transition ça encore pour nous aller dans l'autre? Je pense que nous avons un devoir pour nous mettre le paquet pour nous voir dans quelle mesure l'autorité avec les partenaires internationaux considérer ça et voir comment nous avons adopté après ça, qui ont une approche qui est beaucoup plus rapide. Et nous sommes certains que nous sommes déjà là et nous avons un environnement sécurisé, nous avons un environnement qui est différent de ça. Mm-hmm. Et c'est une force non-onusienne, tu parles de qui n'a pays, c'est-à-dire en partie. Et vous pensez, ambassadeur, Bouchit, qu'une force onusienne est capable de beaucoup plus efficace, c'est ça? Bien sûr, même là, et certainement, il y a toujours des critiques qui disent, bon, écoutez, nous avons fait déjà l'expérience des Nations Unies. Oui, nous faisons l'expérience des forces onusiennes qui va aider, qui va avoir des résultats à ce côté à 100%, mais qui était en présence, qui était là, qui était en quelque sorte aidé, et les autorités haïtiennes continuent tout ça, mais gagner vraiment dit tout ça. Mais, avec force non onusienne, ça, au moins, il y a un plus gros problème, c'est le volume de financement. Un fonds fiduciaire qui est créé, qui était prévu à peu près de près de 600 millions de dollars, même pas quoi, il y a plus que moitié qui est disponible. C'est-à-dire, un aspect pensé, par exemple, en force onusienne, où tu as besoin de certains États qui étaient beaucoup plus aptes, plus rapides à contribuer, tant en force militaire, en troupes, tant en contribution financière. C'est pour une des raisons, et faire approche là, parce que la force onusienne, le casque bleu, c'est déploiement immédiat, pas un déploiement par phase. C'est déploiement immédiat et le budget des Nations Unies gagne montant pour ça, pour le maintien de la paix. C'est pour l'une des raisons que j'estime que l'État est beaucoup plus importante. Après expérience, ça, près de 1 an après l'obtention des paragraphes 19 résolution, les 10 secrétaires généraux, là, le rapport pour le faire, à partir de la date de l'adoption de cette résolution, 9 mois après, nous mettons dans 10 mois, pour le temps, ouais, de quelle mesure, qui ça nous capoter comme changement, la mission, ou sa transformation. Moi-même, j'ai opté pour sa transformation. Bon, c'est l'état essentiel pour y considérer, pour autorité et partenaires internationaux, considérer à ce fait ça. Et si, bon, nous avons opté pour force de sécurité, sur la scène internationale, il va atteindre le résultat escompté. Ça peut arriver, il y a besoin de modifier ou de transformer. Et ils l'ont dit dans le paragraphe 19. C'est-à-dire, si 10 mois après l'adoption de cette résolution, et ces membres permanents, ils rendent compte que ils ont une volonté pour aider les autorités haïtiennes à prendre le contrôle de la sécurité du pays pour créer un environnement pour organiser les élections, et c'est ça l'essentiel, c'est organiser les élections, retourner à Haïti dans le statut d'État démocratique, créer des institutions démocratiques à partir des élections. Et bien, si on rend compte que l'approche pour ce mécanisme qui a été adopté n'est pas de résultat, nous sommes certains qu'il y a ouvert pour y considérer d'autres aspects. Parce que, écoutez,
et pas de faire, pas de voter résolution juste pour te voter. Je te vote parce que tu as cherché un résultat. Mais 10 mois après, il n'y a pas de résultat. Et même, nous pouvons jamais arriver dans la finalisation de mise en œuvre des 3 phases. Ça veut dire que mon problème. C'est mon problème. Et entre temps, le pays continue de sombrer dans la violence. Donc, il y a une beaucoup plus puissant. Et maintenant, on va assister avec des actions terroristes. Est-ce que les Nations Unies a continué de garder l'État d'Haïti comme un membre fondateur qui a glissé de descendre comme ça? Et la situation d'Haïti maintenant constitue depuis bien longtemps une menace pour la paix et la sécurité régionale et même internationale. Il est important pour l'autorité haïtienne de présenter une situation comme ça. C'est la seule façon qui permet au moins bien la main sur l'aspect sécuritaire et travailler ensemble pour nous mettre en œuvre tout ça nous te mettre comme accord là ça nous te signé pour nous arriver à février 2026 qui c'est l'installation des élus. Parce que c'est là l'objectif que à partir de tout besoin ça les membres permanents du Conseil de sécurité et certainement pour et pourtant nous là c'est à nous autres haïtiens pour nous aller chercher et mettez batterie diplomatique dehors, parlez avec toutes les diplomates, parlez avec des pays pour nous connaître comment nous faisons ça. Parce que il y a là une il y a bon bagage qui est devant nous flagrant. Situation a une plus grave au jour le jour. Mm-hmm. Eh bien, si toute dépense a été faite, maintenant la transformation de cette mission d'assistance en force de paix, je pense que son mécanisme qui prévoit déjà, la trop difficile. Mm-hmm. Sauf une négociation avec certains membres du conseil de sécurité pour arriver à concrétiser un tel objectif. Et c'est possible là. Mm-hmm. Et qui sont pas répondre à mon capitaine de là, ambassadeur Bouchut, qui dit regardez, ou ambassadeur ou ancien et ministre et puis là une fois de plus demander pour faire appel à l'autre force d'occupation alors que gagnent des monde qui on dirait des experts dans le domaine de sécurité qui pensaient qui estimaient que et Jodia nous qu'a font on l'autre bagaille c'est-à-dire la police là moyen et l'armée à moyen bonne stratégie et puis il y a des bagailles qui capable fait en matière de sécurité en matière de lutte contre les gangs armés et les pays sans que nous pas fait appel encore avec une force internationale. D'après pour à compatriotes, ça, on a dit, écoutez, je ne vais pas me questionner patriotisme de personne, je ne vais pas questionner patriotisme. Ça, je me dis ça longtemps, pour que ça n'ait pas à appuyer pour l'Hispano, etc. Et profiter pour saluer les policiers nationaux et les membres de la police nationale, des forces armées d'Haïti, qui, en dépit de tout, ils font pile et font. Désir, merci mon frère. Na quoi c'est dans la journée? Merci Blaise, merci tout le monde qui était fidèle à nous.